Cherche ma commande. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites choses qui ont changé. Donc déjà mon fond, ça y est, j'ai enfin un vrai bureau pour travailler, donc je suis trop contente. Donc j'ai commencé à mettre un peu de déco, mon matériel de travail et tout, et je pense que je vais mettre 2-3 cadres affichés au mur, donc on va voir si ça va changer. Ensuite, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous savez que j'ai fait n'importe quoi avec mes cheveux, les pauvres encore. J'ai essayé de les couper toute seule ce week-end et j'ai loupé, donc je suis allée voir ma coiffeuse. Donc elle m'a tout rattrapé, raccourci, donc je n'ai plus de trous dans les cheveux. Je suis pas trop fan de ma coupe, mais bon, j'avais qu'à pas couper moi-même. Donc voilà. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où j'avais deux choix de vidéos en fait que je voulais vous faire et je vous ai laissé choisir sur Instagram. Donc c'était soit ma vidéo sur mon nouveau rangement make-up, soit ma vidéo sur mon haul Shein, et vous avez choisi à 75% le haul Shein. Donc ne vous inquiétez pas pour les autres, ma vidéo sur mon rangement make-up arrivera sûrement la semaine prochaine, le temps que je finisse de ranger et que je vous filme ça. Alors, j'ai fait une commande sur Shein de maillot, donc je ne sais pas vraiment si je vais vous les montrer en vidéo, ça m'étonnerait, parce que j'ai perdu du poids mais je ne suis toujours pas à l'aise avec mon corps. Donc si jamais je me sens capable, je le ferai. Sinon je vous mettrai les images ici des maillots que j'ai achetés. Donc il me semble, si je ne me trompe pas, que j'en ai commandé 5. J'ai déjà commandé sur Shein des t-shirts l'année dernière. Vous avez fait un haul, je vous mettrai dans le petit i. Et j'ai été agréablement surprise par la qualité. Franchement, pour le prix, c'est vraiment de la bonne qualité. Là, pour vous dire, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, 5-6 maillots et j'en ai eu pour 50€. Alors que en général, un maillot, c'est plutôt dans les 20-30€. Donc on va voir ça ensemble. Mon colis est ici, je ne l'ai pas ouvert. J'ai juste un petit trou là pour être sûr que ce soit bien mes maillots avant de poster la story. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc pour vous expliquer, pour tous ceux qui commandent sur Shein, c'est un site chinois, donc c'est pas forcément très très bien et très en phase avec mes convictions. Mais écoutez, pour l'instant, mon porte-monnaie ne me permet pas de m'habiller où j'aimerais bien m'habiller, donc on fait avec ce qu'on a. Pour vous situer les tailles, moi je fais en fonction de mes mensurations. Donc là, comme je faisais le bikini avec Cici, le summer sculpt, j'avais pris toutes mes mensurations pour voir l'évolution de mon poids, de mon corps, parce que mon fils a cassé ma balance, donc je n'ai plus de balance. Donc j'ai mesuré mes bras, ma poitrine, ma taille, mes hanches, mes fesses, tout ça, tout ça. Et c'est avec ces mensurations-là que j'ai commandé mes maillots. Par exemple, si je fais du 46-48, j'ai pas acheté du 46-48. J'ai pris vraiment mes mensurations. Et j'espère que je ne me suis pas trompée, parce que des fois, ben, la taille ça allait, mais les toutounes c'était 3 fois plus gros. Donc on va voir ça ensemble. J'ai commandé des une pièce parce que j'ai eu 2 césariennes, donc forcément mon ventre, je ne l'aime pas trop. Et j'ai pris 2 maillots de pièces taille haute pour essayer. Par quoi commencer? Je vais ouvrir celui-là qui est devant moi en premier. Donc lui c'est un une pièce, il me semble. Ah non, c'est un 2 pièces, ok. Donc celui-là, je l'ai payé. Alors j'avais un code de promo de 10 ou 20%, il y a toujours des codes promo, donc je vous donne les prix sans code promo. Je l'ai payé 13€, donc c'est un maillot de 2 pièces. Donc croisé comme ça en haut, j'espère vraiment qu'ils vont m'aller parce que ça m'a l'air énorme comme ça. Et la culotte, pareil, elle m'a l'air gigantesque. Alors bon, j'ai un gros potin quand même, mais voilà ce que ça donne pour le haut, il est très très joli, la culotte me va plutôt bien, hein, donc je retire ce que j'ai dit sur la taille de la culotte. Elle monte très haut, donc on ne voit pas mon nombril ni mon ventre de grossesse. Il y a pire, donc voilà, je suis pas vraiment à l'aise avec mon corps, mais bah, c'est peut-être pour moi la meilleure solution pour accepter enfin mes formes. Donc là, il y a un nœud qui ne tient pas. Et j'aime vraiment beaucoup le haut, donc il est trop joli. Donc. Ensuite, maillot suivant, donc là c'est un haut que je ne mettrai que chez moi, c'est sûr, cette fois je ne sortirai pas comme ça. Donc pour bronzer à la maison ou pour aller au spa, pourquoi pas. Voilà comment il se présente, donc c'est vraiment un tout petit bandeau. Je ne sais même pas si mes toutous vont rentrer là-dedans. Et ça, je ne l'ai pas payé cher, il me semble. Donc, je l'ai payé 6,99€. Alors, je ne vous avais pas dit la taille. Je suis en train de regarder sur mon portable. Je l'ai pris en XL. Donc, vraiment, ce n'est pas une grande taille. Mais j'ai vu qu'ils pouvaient, dans les commentaires, ils ont dit qu'ils pouvaient convenir jusqu'à un bonnet DE. Donc, moi, c'est à peu près ce que j'ai. Par contre, je vais vraiment le mettre que chez moi. Hein. Celui-là, c'est hors de question. Je n'irai pas à la plage avec. Voilà ce que ça donne. Vraiment, il est très, comment dire... pas très couvrant quoi, donc ce sera vraiment pour rester à la maison pour ne pas avoir de traces de bronzage. Donc ensuite, 4XL, celui-là, je crois que c'est un maillot une pièce, ouvert devant, normalement si c'est bien celui que je pense.
Oui, donc c'est bien celui-là. Donc c'est un maillot une pièce. Un maillot une pièce qui est ouvert devant. Donc je vous mettrai la photo sur le côté parce que là comme ça on a du mal à s'imaginer. Et lui je l'ai payé 13,49€. Donc vraiment pas cher pour un maillot. Donc pareil, je vais l'essayer. Par contre je l'ai plus. Donc je vais l'essayer 4XL. J'ai peur qu'ils soient un peu trop grands. Mais je vous ai dit, en général si mes fesses passent, mes toutous ne passaient pas. Donc j'ai une morphologie un peu bizarre. Donc je vais l'essayer, je vous dis ça de suite. Donc voilà pour l'autre maillot, il est vraiment très beau aussi, j'aime beaucoup. Alors vous voyez pas trop ma tête mais c'est pas grave, il remonte assez haut donc on ne voit toujours pas mon nombril. Donc vous voyez, c'est un style de pièce mais c'est une pièce, donc il est rattaché là derrière. Donc j'aime vraiment beaucoup. Et il me va peut-être un peu grand de la poitrine, mais les bretelles sont resserrables donc ça c'est vraiment génial. Ensuite je me suis fait plaisir pour la maison, je me suis pris un maillot léopard, donc je ne sais vraiment pas du tout si je vais le porter dehors. Mais j'avais envie. Et donc lui je l'ai pris en 4XL aussi. Alors j'ai l'impression que 4XL ça me va un peu grand. Donc voilà comment il se présente. Il est vraiment trop beau. J'hésitais entre deux et celui que je voulais il n'y avait pas ma taille. Donc je me suis dit je vais prendre celui-là. Et lui je l'ai payé 14,49€. Et vraiment j'espère qu'il va m'aller parce que de tous c'est mon préféré. Il a pareil les bretelles réglables et il a à l'intérieur une méga croque avec balconnet. Donc je pense qu'il me gênera beaucoup mieux que celui que j'ai là parce que là j'ai une toutoune qui sent bon. Bon, je crois que clairement j'ai trouvé mon maillot préféré. J'en étais sûre quand je l'ai commandé mais là je suis vraiment sur un coup de cœur. Donc j'aurais peut-être dû prendre une taille en dessous parce que du coup il me sert pas assez au niveau de la poitrine. Mais je suis trop contente, il est vraiment magnifique. Donc voilà ce que ça donne porté. Franchement, je vous dis, je suis pas très très à l'aise avec mon corps, mais je prends sur moi. Il est vraiment magnifique. Donc vous voyez que là, il me tient hyper bien la poitrine. Il a cet petit effet drapé ici. Et franchement, il est génial. Juste là, il aurait dû être un peu plus resserré pour bien me tenir la poitrine. Mais vraiment, je le trouve magnifique. De tout ce que j'essaie, c'est mon préféré. En plus, on a les bretelles réglables et qui s'enlèvent. Donc si je veux, je peux le passer en bandeau. Donc vraiment, je suis ravie de ce maillot pour 13,49€. Jusqu'à présent, c'est mon préféré. Ensuite, on va passer à mon dernier maillot. Donc c'est un de pièces. Je mets tous mes papiers derrière. Donc j'ai acheté une culotte en 4XL. Donc j'ai peur qu'elle soit beaucoup trop grande. Et j'ai acheté un haut. Donc pareil, j'ai pris une taille haute, un peu drapée pour pas qu'on voie trop l'effet de mon corps. Donc elle est comme ceci. Et j'ai pris un haut blanc. Un peu effet... Ouh, mais tout ne va pas rentrer là-dedans. 0XL, ah, tu m'étonnes. Pourquoi j'ai pris du 0XL? Bah écoutez, on va essayer de faire rentrer mes toutounes là-dedans, mais... Si j'ai pris 0XL, c'est que j'ai vu les tailles sur internet. Hein. Attendez. Donc la culotte, je l'ai payée 5,99€. Et le haut, je l'ai payé 7,99€. Mais pourquoi j'ai pris XL? Eh bien parce que XL, c'était la taille de ma poitrine. Ok. J'aurais peut-être dû prendre du 1 ou du 2XL finalement. Bon écoutez, au final, le haut me va assez bien. Mes toutounes débordent un peu sur les côtés, mais j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Je sais pas. La culotte me va, il n'y a aucun souci. Par contre... Je pense que j'ai enlevé les côtes de protection parce qu'elles remontent vachement haut, ça me gêne. Voilà pour le haut et le bas. Donc le bas me va très bien. Il a aussi un effet froncé, donc c'est vraiment ce que je voulais. Cette lanière là, elle est en train de me gonfler, donc je la mets sur le côté. Voilà pour le haut, il est très joli. Par contre, je vous l'ai dit sur le côté, ça s'échappe un peu. Donc j'aurais peut-être dû prendre du XL. Sinon, il est très très joli, j'aime beaucoup. Je vous ai dit, je vais enlever les coques là, ici, parce que du coup, elle commence là. Donc mon téton, il est vraiment en dessous. Mais je le trouve vraiment très joli, alors peut-être pas pour aller à la plage parce que ça couvre pas très bien, mais pour rester à la maison ou aller au sport, franchement, je suis ravie. Voilà pour mon petit haul Shein, vraiment je me suis fait plaisir et vous voyez que pour 50€ j'ai 5-6 beaux maillots qui sont ben, magnifiques. Après c'est sûr qu'il faut oser les mettre, voilà, moi je vous ai dit, je suis vraiment pas du tout en phase avec mon corps, je le déteste depuis que j'ai pris beaucoup de poids. En ce moment il y a vraiment la course au summer body, à faire du sport pour avoir un joli corps, faire ci, faire ça, ne pas manger machin. J'essaye aussi de trouver ce summer body qui me fait tant rêver, que j'avais avant. Faut bien que je me rende à l'évidence. Mon summer body, bah, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui, donc c'est aussi un summer body. C'est pas celui que je veux, mais c'en est un quand même. Donc c'est pas parce que j'ai pris 45kg que je vais devoir m'empêcher de vivre éternellement. Ça fait déjà 8 ans que je m'empêche de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses. De m'habiller comme je veux, d'aller à la piscine, d'aller à la plage, d'amener mes enfants dans des sorties scolaires parce que j'ai peur qu'on me trouve grosse. Donc vraiment, ce corps, ce summer body à moi, m'empêche de vivre et me bouffe la vie depuis 8 ans. Et aujourd'hui, avec ces maillots, j'ai décidé de lui dire, bah, ok, je t'aime pas, tu me plais pas, mais j'ai quand même décidé de vivre avec toi et de te sublimer. Certes, je vais me prendre des réflexions dans la tronche ou pas, j'en sais rien.
Mais c'est comme ça, c'est mon corps, il n'y a que moi qui peux juger. Celui qui n'est pas content, il tourne sa tête. Hein. C'est pas moi qui ai décidé d'être grosse. Donc vraiment, je sais que c'est très très dur et moi-même j'ai du mal à le faire, mais acceptez-vous. Arrêtez de vous empêcher de vivre pour les autres, il n'y a que votre regard qui compte. Donc vraiment, les filles et les garçons, parce que je sais qu'il y a aussi des garçons surpoids, arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, c'est l'été, il va faire chaud, donc on se déshabille, on se met en maillot et on va à la piscine. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ferai sûrement d'autres haul Shein, parce que maintenant que j'ai vu que les maillots c'était pas mal, ben je pense que j'en commanderai d'autres. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.